Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici John. Aujourd'hui pour un petit combat au-dessus de Paris entre un Spitfire sur lequel je suis aux commandes et un Bf 109 allemand. Alors on fait cette petite vidéo pour un peu introduire de manière assez historique sur une timeline le dogfight. Voilà. Alors DCS ne démarrant pas à la Première Guerre mondiale, on n'ira pas jusqu'à l'histoire du premier combat aérien qui a eu lieu en 1914. Mais bon, bah, on va se faire un petit fight au-dessus de Paris avec la map Normandie 2. Et c'est parti, merge. Allez. Donc c'est parti, je le croise, je rentre dans son cercle, on se fait ça en tout cercle. Le speed, ça manœuvre plutôt bien. J'ai tendance à tirer du jet fort. Ensuite, je vais le placer à l'intérieur de son cercle. Je vais le foutre dès que possible. Là, je relâche un peu. Hein. Je reprends de la vitesse parce que dès que je tire du facteur, je perds de la vitesse. La différence d'un chasseur à réaction, bah, c'est que voilà, là, on n'a pas de poussée continue. Mais bon, on a un avion quand même qui a toujours de l'air sur ses plans. Du fait de l'hélice qui s'ouvre dessus, donc ça reste relativement manœuvrable. Voilà, donc là je vais me placer à l'intérieur de son cercle. Je lui fais l'intérieur, vous voyez, comme si j'étais en course de voiture. Et hop, première opportunité de tir. Voilà, là c'est bon, je l'ai touché. Mais je reste derrière. Là, il est juste touché, il n'est pas mort. Du moins, l'avion n'est pas flingué. Donc on reste derrière, il a de quoi rester offensif. Par contre, je vais commencer à envisager de réduire le moteur. Parce que potentiellement, je l'ai endommagé, donc il a moins de puissance. Donc vous voyez, je réduis. Ok, là, je refais l'intérieur. Et c'est reparti. Hop, je retire. Et allez, je l'ai retouché. Voilà. Donc là, ok, il a renversé, mais là il est très endommagé. Mais je reste quand même derrière, on sait jamais. Hein. Il va pouvoir revenir dans le fight si je lui passe devant. Donc je ne suis pas à la trace, mais j'essaie de croiser en restant derrière dans C6. Bon là, c'est un tir un peu raté ce que j'ai fait. Voilà, mais bon, je garde le visuel sur lui, j'essaie de voir ce qu'il veut faire. Ah, j'aurais dû tirer plus tôt là. Bon, là, on essaie de rester derrière. Je risque de décrocher, ça c'est le problème, si je suis trop lent. Bonjour la tour Eiffel. Hop. Allez, on reste en dessous, comme ça à la rigueur, je peux rester, on va dire, à distance. Attends, là on va croiser, je vais peut-être réussir à avoir une opportunité maintenant. Ah non, j'ai trop tiré sur le manche. Et là, ouais, c'est un peu dangereux ça. Ouais, non, c'est pas bon. Là, c'est difficile, hein. Faut garder le visuel. Ah, puis là, mon avion qui fait n'importe quoi. Bon. Du moment que j'ai le visuel, ça va, je crains rien. Puis là, il est très endommagé normalement, donc bon, on reste derrière, on surveille. Je suis pas encore très doué dans cet exercice hein, là du dog sans conduite de tir, c'est compliqué. Hein. Et puis du coup, je tire vachement près. Là, c'est pareil. Normalement, j'y ai mis une renflée là. Il devrait plus faire trop le malin. Bah, ils volent encore. Je vais peut-être pas toucher. En tout cas, son avion a du mal à voler. Ah,
J'ai cru voir son hélice s'arrêter et se bloquer. Mais non, la fumée s'est arrêtée là. Ouais. Bon, voilà, je pars en vrille. Voilà, faut que je m'occupe de ma vrille. Ok, je remets du manche. Je redonne du manche. Ouais, j'ai perdu le visuel, je le vois plus. Je le vois plus et on voit plus de fumée. Mais bon, faut rester attentif. Donc, potentiellement, ce qui peut se passer, plus de fumée, son moteur s'est coupé. Et là, il essaie de se crasher quelque part sur une zone où potentiellement il pourrait s'éjecter. Bon, je tourne, je le vois pas. Non, je le vois toujours pas. Bon, je tourne encore, on sait jamais. Est-ce qu'il est là-bas? Non. Où est-ce qu'il serait? Je vois pas du tout. Bon, a priori, il est sur la carte, donc il est encore en vie. Qu'on va surveiller. On va surveiller. Ah, bah il s'est crashé là-bas devant. Ok, donc là on l'a eu. Et voilà les amis. Bon c'est chaud hein, parce que comme vous pouvez voir, c'est les dégâts sur les avions World War II, ils sont gérés de manière assez assez complexe. Voilà. Cette petite vidéo dogfight est terminée. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Hein, ça change de d'habitude. Les vidéos de chasse, chasse, chasse. Ça fait un petit moment quand même que je m'entraîne pour vous fournir un contenu qualitatif. Et pas juste quantitatif. Voilà. Puis bah voilà, sur cette map Normandie 2, c'est pas mal. Voilà. Bah moi je vous dis à la prochaine. Hein, il y aura encore du fight comme ça, mais un petit poil plus moderne. Hein. Allez la bise, ciao.